Du mois d'août. C'est la deuxième box que je reçois puisque je m'étais inscrite le mois dernier. Je pense que je vais rester abonnée à cette box puisque je trouve ça assez sympa de l'ouvrir tous les mois avec les chats. Et puis comme je reçois des produits différents chaque mois, je pense que avant que je m'en lasse, il va y avoir un petit bout de temps. Alors comme à chaque fois, on a un petit miaou mag. Alors c'est super sympa, j'ai un peu feuilleté celui du mois dernier. Donc là, il y a des solutions si votre chat s'ennuie, pardon, et des explications sur les produits qu'on reçoit à l'intérieur de la miaou box. Ensuite, le premier produit. Alors, ça s'appelle Miouk. C'est une préparation prête à l'emploi pour faire des pâtés faits maison. Je ne le connaissais pas du tout. Je trouve le concept assez amusant de pouvoir faire des pâtés soi-même. Donc, c'est pour un repas... Pour un chat de 5 kg, donc les miennes elles font 5 kg à elles deux, donc c'est très bien. Il y a 100 grammes, donc ils disent que ça fait 8 repas, donc on verra bien. On a la petite recette avec, donc ça c'est pour le mélanger avec de la dinde. Donc on peut les mélanger avec de la dinde, du poulet ou du poisson, donc comme ça on varie un peu. Ce que mange notre chat, et donc la préparation, elle est aux légumes. On a un sachet de compléments alimentaires pour chat à la taurine, fourré au fromage. Donc, c'est des granulés croustillants. La taurine, c'est essentiel pour les chats et pour leur organisme. Donc c'est pour la protection de la vue et le maintien d'une bonne fonction cardiaque. Ils disent qu'on peut en donner jusqu'à 20 granulés maximum par jour. Alors je vais essayer de leur donner pour voir si elles aiment bien le fromage. Tiens. Et grimpe. Allez. Souvent, il y en a une qui aime moins que l'autre, mais apparemment, le fromage, c'est bon. Hein. Ça, c'est marrant. Le mois dernier, on a eu une friandise en roller. Donc, elle léchait le bout. Et là, c'est en tube. Alors, j'ai jamais vu de truc en tube. C'est un complément alimentaire aussi. Ça aide à la digestion et ça empêche les boules de poils. Donc ils disent que pour un chat, il faut en donner tous les jours 3 à 4 cm. Donc on va voir. Ça sent la sauce soja pour les sushis. Je sais pas si elles vont aimer. Tiens. Ça te plaît? Bon, bah oui. Tu manges le doigt d'honneur, bien sûr. Pas fait exprès, c'est le plus grand, c'est pour ça. Comment t'en vas un petit peu? C'est dans le mal, je pense. Ça va, mais mange pas le dos. Monte. Monte sur la table. Oh. Voilà, tout gobé. Bon, bah, apparemment, ça a bon goût, hein. Alimentation. Ensuite, on a un produit plus. Comment je pourrais dire? Genre matériel. Matériel. Donc, le mois dernier, on a eu des sachets pour mettre dans les bacs à litière. Et ce mois-ci, on a une petite gamelle. Hop. Donc, il y a marqué Keep calm and have a drink. On a déjà un distributeur de croquettes et deux gamelles d'eau, mais je pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour mettre de la pâtée, parce que souvent je leur mets de la pâtée, mais j'ai pas de gamelle.
Donc c'est sympa. Parce que les deux jouets c'était deux cannes différentes, donc j'avais pu noter ma box parce qu'on peut la noter, ils vous envoient un mail, et j'avais précisé que deux cannes c'est un peu dommage et que j'aurais préféré avoir des jouets plus variés. Et donc ce mois-ci nous avons deux jouets différents. Alors celle-ci elle est trop trop mignonne. Ah. Donc c'est une petite balle avec un élastique et un petit oiseau, on peut le cacher à l'intérieur. J'arrive. Oui. C'est trop mignon. Et là, il y a un petit scratch à l'arrière. Et en fait, il y a un petit coussinet avec de l'herbe à chat, donc pour les attirer. Et elle fait du bruit, donc ça, c'est vraiment top. Il fait chaud et elles sont fatiguées, mais bon, le deuxième jouet donc c'est une souris. Chut, une souris en fourrure. Bon, elle n'est pas très belle, mais en fait le ventre il y a un scratch et on peut mettre de l'herbe à chat à l'intérieur, donc ils ont fourni dans la box un tube avec de l'herbe à chat. Je sais pas si elles vont vouloir jouer un, vu que voilà. On se retrouve le mois prochain, j'espère que les filles seront plus motivées pour jouer un peu devant vous, parce que là c'est pas trop ça, mais en même temps je filme en début d'après-midi, donc il fait chaud, alors elles sont sur le balcon pour prendre un peu l'air, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.